t'embêter. Pourquoi t'as mal à la tête? J'ai la grippe, je me sens pas très bien. Inutile de demander s'il reste encore de la glace. Pourquoi? Elle est au congélateur. Je vais coucher les enfants. Ouais, c'est ça. Les enfants, encore les enfants, toujours les enfants. Je me demande où je suis, dans une nursery. Je le sais, ça ira plus vite. Et tire, oui, oui, bravo. Derrick passe à la ligne. Sa belle garde. Chérie, il fallait pas te déranger. Tu fumes beaucoup trop et tu sais bien ce qu'en pensent les médecins. Donc tu te fais toujours du souci pour moi. C'est normal. Je suis avec toi que depuis 5 ans. J'ai pas envie que tu t'en ailles. Dominine reprend la base. Dominine, Darry, je tente un bras roulé. Bonsoir, maman. Où vas-tu à cette heure-ci? Faire un tour avec Chuck, je reviendrai tôt. Sou, je n'aime pas ça. Tu es trop souvent avec lui. Tu vas finir par avoir des problèmes. Mais laisse-la un peu tranquille. Vas-y, Sou. Mais ne rentre pas trop tard. Tu vas quand même pas me dire que tu es enceinte. Tu en es sûre? Est-ce que tu as fait un test? C'est pas vrai. Tu as fait ces tests à quel endroit? Dans une clinique, j'ai eu les résultats aujourd'hui. Je voulais pas t'embêter avec ça avant d'être sûre. Je te remercie, c'est trop gentil. D'accord, d'accord. Inutile de s'énerver. Bon sang. J'économise depuis 6 mois pour me payer ma bécane. Est-ce qu'ils t'ont dit combien ça coûte pour se faire avorter? Pour avorter? Oui, combien? 200, 300, plus? J'en sais rien et je veux pas le savoir. C'est un meurtre. Mais pourquoi tu dis ça? C'est parfaitement légal, il n'y a aucun danger. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est interdit, Chuck. C'est un péché. Je ne savais pas que tu étais bigote, tu caches bien ton jeu. Excuse-moi, je ne voulais pas dire ça. Oh non, j'arrive pas à le croire. De toute façon, il est trop tard. Quoi? Je ne veux même pas y penser. Il n'en est pas question. J'en suis déjà au 5e mois. Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour aller voir un médecin? Je viens juste de te le dire. Ce n'était pas nécessaire. Je n'accepterai jamais d'avorter. Il y a un appartement à louer. Dans le bâtiment qui est derrière la maison de mes parents. Ils nous aideront, j'en suis sûre. Tu aurais quitté l'école bien avant que le bébé soit né. Et je travaillerai à mi-temps dès que je pourrai. Parce que tu crois qu'on va se marier? Tu as 15 ans. J'en ai 18. Tu connais mes parents, Swan. En plus, je dois entrer à l'université. Je suis déjà inscrit. Tu as dit que tu m'aimais. Je...
Mon Dieu. Maman, Ralph. Oui, oui, voilà, voilà. Oui, oui, chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux encore? Chuck et moi, on va se marier. Tout de suite après ses examens. Vous êtes cinglés, à votre âge? Je savais que ça t'arriverait. J'ai vécu la même chose il y a 15 ans. Non, tout va bien, maman, puisque je te dis qu'on va se marier. Je ne te laisserai pas faire ça. Réfléchissez un peu tous les deux. Tu as pensé à l'université? Je n'y suis pas encore. Et Swan pourra travailler après la naissance. Si c'est tout ce que vous avez trouvé comme solution, il vaudrait mieux qu'elle se fasse avorter. Il est trop tard maintenant. Est-ce que tu réalises que je n'ai pas le choix? Inutile de rester ici, viens. Vous vous rendez compte de ce que vous lui faites? Le Paradis Bleu, chapelle des mariages. Tu as vu toutes les fleurs? Elles sont jolies, tu ne trouves pas? Bonjour, chère fiancée. Vous n'allez pas vous marier sans une petite fleur. Regardez comme elles sont belles. Juste 5 dollars, taxes comprises. Je voudrais la rose rouge. Elle est belle. C'est la première fois qu'on m'en offre une. Celles de la fête de fin d'année sont en papier. Souhaitez-vous garder un enregistrement de la cérémonie? Ça coûte 7,50 $ et ça dure toute la vie. Non, merci. Bien, dans ce cas, nous allons commencer. Donnez-moi votre autorisation. Je suppose que vous n'êtes pas majeur. Je ne l'ai pas, on l'a déjà donné à l'hôtel de ville. Ils l'ont gardé. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, où ai-je la tête? Vous pouvez venir. Chers enfants, bonjour. Voyons un peu. Vous semblez très jeune, c'est touchant. Bien, nous allons commencer. S'il vous plaît, vous voulez bien vous lever? Léona, la musique. Chers amis, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'union de ces deux jeunes enfants. Sue Hélène et... Sue Anne. Ah, Sue Anne et Chuck. Vous, Sue Anne, acceptez-vous de prendre pour époux Chuck ici présent? De lui apporter toute votre tendresse et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Oui. Et vous, Chuck, acceptez-vous de prendre pour épouse Sue Anne ici présente? De lui apporter votre tendresse et aussi votre force et de lui rester fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Non. Non, je ne suis pas prêt, je ne peux pas. Chuck! Je ne veux pas me marier. Mais attendez, je n'ai pas fini. C'est fini. Non, c'est impossible, j'étouffe ici. Je veux m'en aller. Mais Chuck, tu n'as pas le droit de t'en aller comme ça. Tu n'avais qu'à réfléchir avant. Après tout, c'est à la fille à prendre ses précautions. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu ne prends pas la pilule? Mais le docteur a refusé, je suis trop jeune. Eh bien, demande-lui de s'en occuper maintenant. Après tout, c'est sa faute. Thank you.
chance d'avoir trouvé ce centre. Le docteur nous a assuré que tu serais très bien traitée ici. Je sais, mais tu te souviens de ce qu'il nous a dit hier? L'important, Swan, c'est que personne ne sache que tu n'es pas mariée avec Chuck. Sa brusque disparition et le fait que tu aies quitté l'école pourraient laisser croire que tu es un peu volage. Ça m'est complètement égal ce qu'on pense de moi. Eh bien, tu as tort. Quand tu rentreras avec le bébé, tu expliqueras à tout le monde quel genre d'homme c'était et que vous n'avez pas pu vous entendre. Et personne ne trouvera rien à redire. D'après le docteur, tu peux rencontrer l'assistante sociale quand tu veux. Elle t'aidera si tu veux que le bébé soit adopté. Swan, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Tu dois prendre tes responsabilités maintenant, Swan, tout comme je l'ai fait. Tu auras ce bébé, ma chérie, et tu l'élèveras. Allons-y. Bien sûr, vous pouvez venir la voir quand vous voulez. Vous êtes la bienvenue. Les visites sont autorisées entre 9h et 21h. Nous vous demandons simplement de nous en informer. Merci. Désolée de vous avoir fait attendre. Que puis-je pour vous? Et nous venons de la part du docteur McPhee. Je suis Madame Martelly et voici ma fille, Suan Cunningham. Nous venons l'inscrire chez vous. D'accord. Dans ce cas, nous avons quelques papiers à remplir. Commençons par ce formulaire. Besoin d'apprendre à taper à la machine, de toute façon je ne suis jamais une secrétaire. Moi non plus, mais il faut quand même y aller. Pourquoi? Tu peux me dire? Pour avoir une place dans la société. N'importe quoi. Hé ah. Hey. Oh. Oh. Un, deux, trois, quatre. Les mains le long du corps. Respirez à fond. Un et deux, trois, les mains sur les hanches. Encore une fois, un, on plie les jambes. Deux, trois, quatre, on respire à fond. Un, deux, trois, quatre. Allez-y maintenant. Étalez régulièrement le beurre sur toute la surface avec le pinceau et assurez-vous que votre plat est complètement recouvert sinon la pâte va coller. Et n'oubliez pas de préchauffer votre four pendant une dizaine de minutes au moins. Avant de glisser vos biscuits dans le four, remettez une noisette de beurre sur chacun d'eux. Vous prenez un gant bien savonné et vous le passez délicatement sur tout le corps et dans les plis. Le bain est un moment de détente et les bébés adorent l'eau. Au cours de ce moment privilégié, vous sentirez que dans ce petit corps, un être est là qui vous observe. Arrête ton baratin. Hein? Tu veux dire chez toi, sans docteur? Mais qu'est-ce que tu veux prouver? De toute façon, elle est complètement dingue. J'arrête pas de lui dire, elle veut rien entendre. Mais qu'est-ce que tu feras si le travail commence et qu'il ne peut pas sortir? Qu'est-ce que vous allez chercher? Il n'y a aucune raison. Ma mère nous a tous mis au monde par ses propres moyens. Je ne te comprends pas, Martha. Je me demande pourquoi tu as fait ça. Tu es jeune et tu as des tas de frères et sœurs à la maison. Ta maman se serait passée d'un autre bébé. Celui est égal. Les allocations familiales vont nous verser $50 de plus. Et je suis nourrie à l'œil par l'État. Qu'est-ce qui me... Tu gâches ta vie pour $50? Et alors, je m'en fiche. Tu t'en fiches. Mais comment peux-tu dire ça? Tu vas mettre un enfant au monde, Martha. T'as pas l'air de t'en rendre compte. Et regarde Oli, elle fume une cigarette après l'autre. Et tu crois que c'est bon pour le bébé, toute cette fumée? Très bien. Félicitations, Debbie, tes conseils sont pleins de sagesse. As-tu pris une décision, ce qui te concerne? Oui. J'accepte qu'il soit adopté. Moi, elle a pris sa décision. Oh, calmez-vous les filles, chacune a le droit de décider ce qu'elle veut. Oh, dis tout de suite que tu as l'intention de l'abandonner, toi aussi. Je n'en sais rien, je n'ai pas décidé. C'est une grave décision. Et tu n'as pas l'air tout à fait sereine. Je le suis. Tu ne mérites même pas d'être une mère, Debbie. Tu en parles à ton aise parce que tu es riche. Je suis seule et pauvre.
Je veux retourner à l'école. Et j'aurai mes diplômes. Et mon fils grandira avec des gens qui auront envie de l'élever. Pourquoi tu t'es pas fait avorter, t'aurais eu moins de problèmes? Parce que j'ai subi une cure de désintoxication. J'étais droguée. Et si je me fais avorter, ils seront obligés de me donner un calmant. Et c'est plus possible. Je supporte même plus l'odeur de l'éther. Je supporte plus les médicaments non plus. Ça me rend hystérique. J'accoucherai avec la méthode Lamaze. C'est une technique très naturelle. Ray m'aidera. Je ferai mon possible pour être un bon père. Shirley, tu as pris la défense de ta copine avec beaucoup d'empressement. À quoi pensais-tu, en fait? Eh bien, parfois, je repense à la vie que j'ai eue quand j'étais petite fille. C'était pas rose tous les jours, vous savez. Je me demande si je serai une très bonne mère, j'en suis pas sûre. C'est pour cette raison qu'ont été créés les foyers provisoires. L'adoption est une décision importante, qu'il est difficile de prendre tout de suite après la naissance, c'est un peu tôt. Et si vous avez tout le temps d'y réfléchir, de peser le pour et le contre? J'en sais quelque chose. Vous? Oui, j'ai accepté de donner mon enfant quand j'avais 16 ans. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne suis pas avec vous aujourd'hui sans raison. Vous auriez quand même pu nous le dire avant. Je suis ici uniquement pour vous aider à prendre une décision, non pour vous influencer d'une façon ou d'une autre. Bien. Ce sera tout pour aujourd'hui. Docteur Charles a demandé l'urgence en chirurgie. Docteur Charles. Qu'y a-t-il? Le travail a déjà commencé depuis une heure. Je n'étais pas sûre. J'ai peur. Appelez le docteur, vite. Allez-y, poussez. Je ne savais pas que c'était aussi long. Maintenant, poussez. C'est bien. Encore un peu. Alors, quand tu ne pousses pas, profites-en pour te détendre. Tu pousses, tu te détends. Tu pousses, tu te détends. Hein? Respire à fond. Bien, très bien. C'est très, très bien. Alors, docteur, c'est elle ou moi? C'est vous, Don. Je suis stérile. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire? Non. Expliquez-moi comment c'est possible. Je suis italien, mon père a eu 8 enfants et mon grand-père en a eu 12 avant lui. Écoutez... Il y a quelque chose qui ne colle pas dans vos tests parce que je suis sûr que ce n'est pas moi. Allons, vous êtes trop intelligent pour considérer ceci comme une insulte. Les lois de la génétique sont aussi imprévisibles que la roulette russe. Vous n'y êtes pour rien. Je suis en vie, mais je ne peux pas la donner. Je veux adopter un enfant. Non, je ne veux pas, René. Je veux en adopter un. Le travail a duré 10 heures. Ils m'ont tous dit que c'était bien pour la première fois. Après tout, c'est à peine plus douloureux que les règles. Tu as de la chance. Je ne peux pas en dire autant. Tout à coup, je l'ai vu sortir et je n'arrivais pas à y croire. Maman, quand je suis née et que tu m'as vue pour la première fois, tu as senti que j'étais ta fille? Je ne m'en souviens pas très bien. C'était très étrange. Elle était couchée sur ma poitrine, mais je ne ressentais aucune émotion. Rien du tout. En tout cas, rien de ce que je croyais. Elle dort. Je l'ai appelée Elisabeth. Elle pleure jamais. Et puis elle sourit tout le temps. C'est un très joli prénom. Et elle a de beaux yeux bleus, comme sa grand-mère. Ouais. Mais elle ne te ressemble pas. Et elle n'a rien de moi. Regarde-la, maman. C'est tout le portrait de... Tu as de ses nouvelles, maman? Et tout le monde attend ton retour avec impatience. Si tu voyais Ralph, il est fou de joie à l'idée que la petite vienne chez nous. Quelle blague! Non, c'est vrai. Il adore les bébés.
Il t'envoie toute sa tendresse. Ralphie et Samantha aussi. Je leur ai dit qu'une petite sœur allait arriver, ils sont ravis. Elisabeth n'est pas leur sœur, puisque c'est moi sa mère. Peu importe, tout est prêt à la maison et nous vous attendons. Maman, tu as vu Mademoiselle Ray, l'assistante sociale? Ah, hein, celle qui se fait mousser les cheveux avec un mixeur. Elle fait tout ce qu'elle peut pour nous, maman. Elle a dit que je pouvais laisser Elisabeth ici une semaine. Et même plus, au lieu de la ramener tout de suite à la maison. C'est une bonne solution. Pour réfléchir un peu et savoir exactement ce que je veux. Swan, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout réfléchi, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? Tu peux me le dire? Un tas de choses. Quelle va être sa vie et ce qu'elle va devenir? Il me faut un peu de temps pour y réfléchir. Il fallait y réfléchir lorsque ce sale petit voyou a commencé à te draguer. Et que tu l'as laissé faire ce qu'il a voulu. Et si tu ne sais pas quelle décision prendre, c'est moi qui vais te le dire. Toi et Elisabeth, vous rentrez à la maison demain matin. J'ai organisé le baptême. Le révérend Silverster sera là en personne. Maman... Inutile de te le cacher plus longtemps, les parents du garçon se sont montrés odieux. Ils font courir des rumeurs sur toi. Je suis ravie qu'ils soient partis, ces gens sont d'une vulgarité. Bref, c'est sans importance. Tu as une famille et nous te soutiendrons. Chères sœurs, chers frères, les voies du Seigneur sont impénétrables. Que sa volonté soit faite. Amen. Cette jeune fille s'est éloignée du chemin étroit de la sagesse. Dans les ombres de l'égarement, tout est possible. Amen. Elle a le devoir aujourd'hui de prendre en charge ce qu'elle a créé et de transformer cette erreur en source de bonheur pour elle et pour ceux qui arrivent. Donnons-lui notre soutien. Accueillons Elisabeth, la petite fille de Swan Cunningham, qui a foi dans la vie et attend votre bienvenue. Elle élèvera cette petite fille que le Seigneur lui a donnée. Mon enfant, alors que l'univers entier basculait tout autour et que des êtres malveillants voulaient te convaincre de détruire la vie qui t'a été confiée dans des circonstances aussi dures, quelle a été ta réponse? J'ai dit, je veux garder mon bébé. Alléluia! Alléluia! Dites-moi, Madame Derrida, je vois que vous êtes enseignante actuellement. Oui, jusqu'à ce que j'aie mon bébé. Ne quittez pas votre travail pour l'instant. Madame Green, nous avons déposé notre demande d'adoption il y a 4 mois aujourd'hui. Dites-nous simplement ce qu'il faut faire. Attendre avec patience, Monsieur Derrida. Vous n'êtes pas les seuls, malheureusement. Votre maison vous appartient. Vous n'avez pas de référence religieuse, mais vous insistez pour avoir un nourrisson. Le premier, je préférerais, oui. Êtes-vous certain de vouloir sacrifier vos nuits pour quelques biberons? Madame Green, je suis l'aînée d'une famille extrêmement nombreuse. Et croyez-moi, j'ai donné plus de biberons que vous ne pouvez l'imaginer. Madame Green... Je sacrifierai autant de nuits qu'il faudra. N'ayez crainte. Comptez sur nous, Madame Green. Nous serons de très bons parents pour cet enfant. Votre dossier est parfait, je le reconnais. Si c'est le cas, nous ne devrions plus attendre longtemps maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes avocat, Monsieur Derrida. Que vous ont dit vos collègues lorsqu'ils ont appris votre décision d'adopter un enfant? Que je devrais attendre 2 ans? Ils sont dans l'erreur. Si vous souhaitez un nourrisson, vous attendrez au moins 4 ans. Quoi? Et pourquoi? Tous les journaux annoncent que le pourcentage de nourrissons illégitimes a augmenté. Oui, c'est tout à fait exact. Il a augmenté de 10% en 1 an. Alors, où est le problème? Les jeunes filles veulent garder leur bébé. Comment font-elles? Elles touchent des allocations. Oh. Des enfants qui veulent élever d'autres enfants. C'est triste. Et personne n'y gagne. Chérie, un peu de patience.
Le charme italien n'est plus aussi efficace qu'autrefois. Elle a été honnête avec nous, c'est déjà ça. Tu te souviens du couple que nous avons rencontré à Mammoth, les Rosenfeld? Ils ont trouvé leur bébé grâce à une agence privée. On pourrait peut-être en faire autant. Et si ça, ça ne marche pas non plus? Nous serons quand même très heureux tous les deux. Et puis, ce ne sont pas les enfants qui manquent sur cette planète, même s'ils ne sont pas à nous. Dors bien gentiment. Je reviens dans 10 minutes. Swan ? Swan ? Swan, où est le bébé ? Il est couché en haut. Il est couché en haut ? Swan, sort immédiatement de cette piscine. Quel genre de mère es-tu pour laisser un bébé tout seul aussi longtemps ? La maison pourrait brûler ou la couverture l'étouffer. On n'est jamais assez prudent. Je vois bien que tu ne lis pas les journaux. T'as censé de la laisser dormir. J'ai laissé la porte ouverte pour entendre si elle pleure. Oh, vite, vite. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. Oh. Oh, je suis là, ma chérie. Voilà, le pauvre bébé tout seul dans cette maison. C'est affreux. C'est fini, tu ne crains plus rien. Maman est là. Ne lui dis pas ça, tu n'as pas le droit. Tu n'es pas sa maman. Ça va ? Personne ne t'attrapera, Mulette. La cachette est très petite et griffue. Pour sa patte. Courage, plonge. Il va bien se mettre sous la dent. Il a très suffisant. Enfin. Swan, occupe-toi du bébé. Griffue n'a jamais vu ça dans sa longueur. Bernard Jones, laissez les terres, j'arrive pas à dormir. Rien d'odieux, reviens. D'accord, d'accord. Encouragé, il s'éloigne. Ce n'est pas Mulette qui s'en plaint. Ici, une fourrure mal léchée est un peu fraîche. Viens, bébé. Je me suis pas réveillée. Elisabeth doit faire sa première dent. J'ai pas pu dormir. Donc... Voilà, ma chérie. Mais qu'est-ce que c'est que ce biberon ? Du sucre avec de l'eau, juste pour la calmer un peu. Maman, je te l'ai déjà dit, c'est très mauvais pour elle. Le sucre la fait vomir et tu continues à lui en donner. Faudra que je te dise comme tu peux garder tes conseils. J'ai fait mes preuves et j'en connais plus que toi sur le sujet. Samantha, laisse ton père tranquille. Tu mets de la tente partout, donne-la. Ralph, où vas-tu? Ne t'en fais pas, Elisabeth et moi, on va bientôt quitter la maison. C'est infernal, Ray. Maman considère Elisabeth comme son bébé. Je préfère me débrouiller toute seule. J'ai le droit? Techniquement, oui. Si tu ne reçois aucun support de ta famille, nous pouvons obtenir ton émancipation. Tu auras ton appartement que tu pourras partager avec une autre jeune fille. Je veux rester seule. Ce sera dur, Swan. Les allocations familiales que tu toucheras n'excéderont jamais 220 $ par mois et c'est vraiment pas grand-chose. Ça me suffira largement. Et tu n'as jamais vécu par toi-même. Qu'en sais-tu? Tu n'y arriveras pas. Pourquoi ne pas laisser Elisabeth au foyer le temps que tu organises un peu ta vie? Non, Elisabeth fait partie de ma vie et je la quitterai plus jamais. Tu entends? Plus jamais. Tu as des nouvelles de Chuck? Le procureur essaiera sûrement de le retrouver pour la pension alimentaire. Non, c'est inutile de lui courir après. Je suis sûre qu'il reviendra.
Je le sais. Mais il a sûrement repris l'école, Swan. S'il avait décidé de se montrer, il l'aurait fait avant la rentrée. Je le connais, il reviendra pour la voir. Je l'attendrai avec Elisabeth. Bon, parlons un peu de ta scolarité, Swan. Maintenant, tu peux suivre des cours dans une école à mi-temps, ou alors à condition de laisser Elisabeth dans une crèche, tu peux aussi retourner à l'école à plein temps. Non, je n'y tiens pas. Tu peux aussi choisir une école qui te permette de garder le bébé auprès de toi. Il y a toujours une solution, Swan. Ne l'oublie jamais. Tu m'as dit un jour que tu rêvais de faire l'école des beaux-arts. Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Oui. Élever ma fille. Swan, tu me fais beaucoup de peine. Je t'en prie, tu me l'as déjà dit. Elisabeth et moi, nous partons. J'ai ma carte des allocations familiales pour trouver un logement. Swan, tu as encore un bébé. Tu n'as pas assez d'expérience pour affronter la vie. Qui veillera sur toi si je ne suis pas là? Qui te conseillera pour que le bébé soit correctement soigné? Je l'ai mise au monde. C'est à moi à prendre soin d'elle. Oui, je sais que tu y tiens. Oh, tu me ressembles. Je ne peux pas te reprocher de vouloir faire comme moi. Oh, Swan, j'ai fait ce que j'ai pu, mais toutes ces années dans les chambres d'hôtel, parce que je n'avais pas d'argent, ne m'ont pas empêché de te garder. Tu as toujours eu de quoi manger en rentrant le soir. Et un joli ruban pour tes cheveux. Je sais. Maman, pourquoi mon père nous a abandonnés? Lorsqu'un homme veut s'en aller, c'est pas la peine de le retenir. Il s'en ira tôt ou tard, avec ou sans raison. Tu venais d'avoir 6 semaines, Swan. Le Seigneur en a décidé ainsi. Et au moment où j'allais tout laisser tomber, il m'a envoyé Ralph. Il était temps. Je n'aurais pas tenu plus longtemps. Il est désolé que tu nous quittes, je t'assure. Peut-être, mais je dois m'en aller, c'est tout. Le temps passe tellement vite que tout est fini avant qu'on ait pu réaliser ce qui nous arrive. J'ai été élue reine de beauté à Calvinston en 66, je n'ai jamais osé te le dire. Ça ne m'étonne pas. Tu étais la plus jolie fille à l'école, j'ai vu les photos. Oui, tout le monde croyait que je deviendrais l'épouse d'un riche millionnaire. Mais par ma faute, l'avenir n'a pas été aussi brillant. J'aurais dû respecter les règles du jeu. Ça ne pardonne pas. Lorsqu'on s'en éloigne, on perd. Ce que j'ai découvert, c'est qu'elles sont différentes pour les hommes et pour les femmes. Je ne t'apprends rien. Je l'ai aimée de tout mon cœur. Il n'y a aucune règle du jeu qui l'interdise. Nous allons nous trouver une jolie maison. Pour l'annonce. Je voudrais voir votre appartement. Tu veux rire?
Vous refusez les bébés? Mon petit, avec un bail d'un an, une caution et deux loyers d'avance, je suis d'accord. Je suis pas stupide, hein? Si tu as $300 tout rond, je t'ouvre la porte tout de suite. Les enfants, les chiens, tout ce que vous voulez. Je suis pas le propriétaire. Tout ce que je veux, c'est qu'on paie le loyer tous les mois. T'es encore mineur, toi? T'as une carte? Ouais, bien sûr. D'accord. Combien coûte votre appartement? $75 par mois. Passe. $75 pour ce taudis? Aucune caution, aucune question. Qu'est-ce que tu veux de plus, hein? $50 tout de suite. T'auras peut-être besoin d'un coup de main pour installer les rideaux ou rafistoler un peu le plancher. Je peux t'aider, si t'es gentille. J'ai besoin de rien, vous pouvez sortir. Bien, comme tu veux. Mais souviens-toi, si tu as des ennuis, compte pas sur moi, d'accord? Elisabeth, la première chose que tu dois apprendre, c'est comment on transforme un taudis en palais. Suis-je bien chez la fée du logis? Je m'appelle Miranda. J'ai un petit garçon, Otis Junior. Mon paternel m'a fichu dehors quand j'ai dit que je refusais d'avorter. Bienvenue au club. Salut, je m'appelle Swan. Elle, c'est Elisabeth. Si vous avez aussi un bébé, vous pouvez peut-être m'aider. Il me manque des tas de choses. Aucun problème. Et voici Andy. Il habite au 5 et il a une voiture, ce vénard. C'est un artiste. Il fait des tas de choses pour moi à la maison. Il s'occupe aussi du bébé et en échange, il est nourri à l'œil tous les jours. Et tu cuisines? Oui, mais je suis pas très bonne. Oh, Miranda non plus, malheureusement. C'est mauvais pour le moral. La seule chose que je sais faire, c'est le chili. T'as entendu? Ça, c'est Otis. Il a horreur de rester tout seul dehors. Je peux le faire rentrer? Ouais. C'est Andy qui le garde quand tu vas à l'école? Il y a longtemps que j'y vais plus, voyons. Tu travailles? Il y a une règle d'or ici. Les questions indiscrètes, on les garde pour soi. Tu piges? Ouais. Et voilà! Vous n'en avez plus besoin? Otis refuse d'y rester, il le renverse. J'ai rien à vous donner, qu'est-ce que je peux faire? Je vais y réfléchir, c'est pas urgent. Le révérend Sylvester dit que Dieu récompense toujours ceux qui l'aiment. Il doit avoir raison. Des bougies, de la musique, le plat qui me fait craquer depuis que je suis tout petit. Je donnerai cher pour savoir ce que tu as derrière la tête. Je vais signer un nouveau contrat avec l'école. Et que feras-tu si la femme de l'agence nous rappelle? Quel est son nom déjà? Ray. Ray Finer. Je lui ai parlé aujourd'hui. Il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit avant un an. Oui. Et encore, un an ou peut-être plus. Je n'ai pas dit ça, Don. René, soyons réalistes. Tu as 28 ans et j'en ai 33. Dans 3 ans, nous serons trop vieux pour avoir un nourrisson, il nous le faut tout de suite. Chérie. Un de mes collaborateurs a été dans cette situation. Chérie, ça m'est égal, je t'aime. J'ai besoin de toi, de personne d'autre. Elle se moque de nous, je te dis. Je suis désolé. René, adoptons un enfant plus âgé. Tu veux bien? Tes croquis sont très jolis. Merci. À ma naissance, mon père m'a dit, tu seras un grand businessman, mon fils. Oh, il a vite compris son malheur. Et maintenant, il me laisse pourrir dans ce trou pour que j'officie loin de ses regards. Il devrait être fier de toi. J'adorais les cours de dessin à l'école. Tu veux bien me prêter un carnet de croquis? Mais avec plaisir. Oh, c'est reparti pour un tour. T'en fais pas, je vais le calmer.
Ah bah t'en as de la voix, enfin quelque chose de toi. Viens, mon bijou. Oh, t'as un gros chagrin, hein. Heureusement, tonton Andy est là. Tu peux tout lui dire. Qu'est-ce qui se passe? Venez, les enfants. Le dîner est servi. Maman vous a mis jeter son plat favori. C'est gentil. Tu viens pas? J'ai presque fini, j'arrive. Oh non! Et à part ton cataplasme pour condamner à mort, tu sais vraiment rien faire d'autre? Si, j'ai même une spécialité. Ne bouge pas, Miranda! Avec tous vos chefs-d'œuvre, vous pourrez bientôt vous payer une cuisinière et la cuisine avec. Voyons voir. J'ai mis les grandes lignes. Et c'est justement ce qu'il y a de plus difficile à réussir. Mais tu t'en es très bien sorti. Tu as du talent. Arrête de te ficher de moi. Mais non. Je dessine depuis plus de 15 ans. Je vais me spécialiser dans les dessins de mode. Tu pourrais gagner beaucoup d'argent avec tes dessins, toi aussi. Il faudrait que j'apprenne. Eh ben, étudie dans une école. Tu vois, je ne suis pas la seule à te le dire. Ray, je pensais pas que tu viendrais me voir si vite. J'ai voulu te prévenir, mais le gardien m'a fait comprendre qu'il n'était pas là pour transmettre les messages. Il n'est pas très coopérant. Pas tellement. Je te présente mes amis, Andy et Miranda. Ray est assistante sociale. Ravie de vous connaître. Moi aussi, salut. Bon, eh ben, je vois que vous êtes sur le point de dîner. Je ne m'attarde pas plus, Swan. Je voulais qu'on discute un petit peu de ta rentrée scolaire. Tu m'appelles quand tu veux? Oui, merci, Ray. Salut. Bye bye. Tu m'as fait peur. Je croyais que j'avais mis le verrou. Ah, tu l'avais mis, mais j'ai donné un coup de pied et il s'est ouvert. C'est pas un endroit pour une jeune fille avec un bébé. Miranda habite ici, il ne lui arrive rien. Miranda, c'est différent. Tiens, mets-toi au boulot maintenant. Merci, Andy. Coince la chaise sous la poignée, c'est plus sûr. Je te trouverai une bonne serrure demain. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Nous y voilà. Scavenger Alley. Qu'est-ce qu'on fait ici? Du shopping. Les riches du quartier ont l'habitude de se débarrasser de trucs presque neufs. Tu voulais une poêle à frire, la voilà. Viens, planquons-nous. A vu. Bon, de toute façon, on s'en fout. Si elle avait voulu la garder, elle l'aurait pas mise là. Hé, hey, attends-moi. Otis, regarde ta mère. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il est tout blanc. Non, non, il a l'air d'aller mieux. Mais vous le connaissez? Non, je ne sais plus. C'est un drame qui reste. Une garçon, ouais. Mais enfin, il n'est pas du coin. Oh, sans doute, je ne l'ai jamais vu, je crois. Oh, Miranda, je sens que je vais avoir une attaque pour de bon. T'emmènes la moitié du magasin alors que je veux juste un verrou. Ne compte pas sur moi pour recommencer ce petit numéro. Oh, sois gentil, Andy. Dispense-nous de tes états d'âme, tu veux bien. Tu aurais pu te faire prendre et alors il t'aurait sûrement enlevé Otis. Non, mais je rêve ou quoi? Espèce de cloche. C'est pas du vol, c'est une question de survie. Tu as dit que Miranda était différente de moi hier soir. Pourquoi?
C'est ma façon à moi de te faire des compliments. Une façon de te dire que t'es pas de chez nous. Tu viens d'ailleurs. Comme une princesse qui aurait perdu son royaume. Malheureusement, je n'ai ni cheval blanc ni armure pour te reconduire dans ton palais. Mais je peux devenir un bon ange gardien. Si tu veux bien. Oui. À tout à l'heure. Ces croquis. Je suis persuadée que c'est ce qu'il nous faut. Tu as vu la tendresse qu'il a dans ses yeux? Tu as vu? Tu as raison. Ma femme apprécie beaucoup vos dessins. Merci. C'est combien? 6 dollars chacun, monsieur. Et c'est donné, croyez-moi. Je le pense, oui. Je les achète tous. C'est vrai? Une sage décision, monsieur. L'œuvre d'une jeune artiste est toujours un bon investissement. Oui. Merci. Et bravo, ils sont magnifiques. Au revoir. Bonne chance. Merci. 24 dollars pour 4 portraits. Tu te rends compte, Andy? Même si j'ai payé cette tirelire 3 dollars, il me reste encore 21 dollars pour ma fille. Ils avaient l'air riches. On aurait même pu en tirer davantage. J'avais pourtant fermé la porte. À tout à l'heure, princesse. Petite fleur, je te présente mon nouvel ami, Rico. Elle, c'est petite fleur. Pourquoi êtes-vous dans ma maison? Parce que les flics connaissent pas encore ton adresse. Je suis en liberté surveillée, tu comprends? Alors on peut pas s'amuser comme on veut chez moi. Les gens déboulent sans prévenir pour voir ce que je fais, c'est agaçant. Tu piges, petite fleur? Vodka dans le biberon, ils sont sages comme des anges. Tu as mis de la vodka dans le biberon d'Elisabeth? Je sais où, petite fleur, je peux te dire qu'ils adorent ça. Otis, arrête de pleurer tout de suite. Tu es une sorcière et tu ne penses qu'à faire le mal. D'autres personnes. Plus jamais.
qui tu te prends pour maltraiter mes amis, hein? C'est mon appartement, allez-vous-en! C'est pas une attitude digne de toi. T'as choisi de vivre dans ce trou. Alors sois gentil avec le bon Dieu qui règne ici. Hein? Ta baraque, elle est pas à toi. La règle d'or ici, c'est partager. Non, je vous en prie. Non? Deuxième règle, on ne dit jamais non. Non! Tu veux que je te montre ce qui se passe quand on a l'audace de me dire non? Tu n'as rien? En général, la police arrive quand la victime est déjà morte. Tu peux remercier ton ami Andy. Tu vois ça? C'est le plus efficace de tous les protecteurs. Il faut toujours l'avoir. Swan, nous allons te trouver un endroit plus tranquille. Allez, prépare tes affaires. Vous avez de la chance d'avoir une amie telle que Ray Finner. Nous avons une liste d'attente impressionnante. Mademoiselle Finner m'a expliqué que vous refusiez de retourner chez vous alors que vous êtes dans une situation très difficile. Oui, madame. Expliquez-moi, pour quelle raison? Ils se disputent tout le temps. Mon beau-père a du mal à supporter les bébés, mais le vrai problème vient en fait de ma mère. C'est assez étonnant, mais elle voudrait ma petite fille pour elle toute seule. Elisabeth devient son bébé, mais c'est le mien et je veux l'élever moi-même. Je comprends, Suhan. Je vous montre toute la maison et ensuite je vous explique notre mode de vie. Je tiens à vous prévenir tout de même que vous et Elisabeth ne pourrez pas rester ici plus d'une année. Je serai sûrement partie avant. En fait, ma carrière a commencé... Ceci est notre salon. La laverie est au sous-sol. Vous vous occuperez de votre lavage vous-même. Et je compte sur vous pour que votre chambre soit bien tenue. Vous participerez à la préparation des repas. Oui. Et vous signerez le cahier de présence tous les jours et vous devrez demander une permission pour sortir après 11 heures. Aucun produit chimique n'est autorisé dans les chambres. Si vous allez à l'école ou si vous travaillez, vous pouvez laisser votre enfant dans notre nurserie. Mais en dehors de l'école ou de votre travail, c'est vous qui avez la charge complète de votre bébé. C'est tout à fait normal. La plupart des jeunes femmes trouvent notre discipline trop rigoureuse, mais c'est indispensable. Je pense que celle-ci devrait vous convenir. Qu'en pensez-vous? C'est exactement ce que je voulais. Et t'as vu ça? L'environnement s'améliore de jour en jour. Je peux avoir votre attention, ma copine, pendant qu'il vous plaît. Mon vieux, on ne va pas les un peu de silence. Cet après-midi, nous allons discuter de vos travaux scolaires de l'été. Moi, j'ai construit un grand poulailler, mais aucune poule n'a voulu y entrer. Elles ont toutes pondu à l'extérieur. Il fallait y mettre le coq d'abord, voyons. Qui d'autre souhaite parler de ses vacances? Roberto? Kenji? Dwayne? Nancy? J'ai oublié de vous présenter une nouvelle étudiante. Suhan Cunningham. Salut, Suhan. Je crois que vous avez quelque chose à nous montrer. Oui. Qu'en pensez-vous? C'est joli, n'est-ce pas? Ce coup de crayon est très délicat. Drôlement mignon, le bébé. Dis donc, c'est ta petite sœur? Ouais. C'est très confortable ici, maman. Je laisse Elisabeth à la nurserie et je peux aller à l'école tous les jours. Je dessine beaucoup. Oh, Swan, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Pourquoi? Je peux gagner énormément d'argent en travaillant dans la publicité. Puis je peux obtenir une bourse pour suivre des cours dans une école d'art. Chérie, est-ce que tu as trouvé du travail? Je travaille dans une station d'essence pour l'instant, c'est tout ce que j'ai trouvé. Mais je suis contente, je peux payer mon loyer. Merci pour les vêtements. Tu me manques, chérie. Toi aussi, maman.
Mais laisse-nous un peu de temps pour nous organiser toutes les deux, d'accord? Oui. Embrasse tout le monde pour moi. Au revoir, maman. Bye-bye. Tu vois, c'est complètement hors sujet ce que tu as. J'avais mon emploi du temps sur le cours du français. Attends. Hé, hey, Swan. Mon nom est Greg. Greg Kelso. Salut. On va au lac tous ensemble. Si tu veux venir, t'es la bienvenue, tu sais. Greg! Allez! Grouille-toi! Allez, viens! Aujourd'hui, je ne peux pas, j'ai un rendez-vous. Une autre fois, peut-être. Comme tu veux. Tu lui as dit que tu ne pouvais pas? Oui, je n'avais pas le choix. Pourtant, j'aurais bien voulu y aller. Mais c'est le genre d'escapade que je ne peux plus me permettre. Quand on a un bébé, la vie est différente. Hé, je la trouve plus amusante maintenant. Je ne suis plus seule. Tu aurais pu t'échapper quelques heures. Quelqu'un l'aurait gardé chez toi. Uniquement quand je travaille ou quand je suis à l'école. Je ne veux pas qu'il voie mes vergetures. Là, voilà la vraie raison. C'est parce que tu ne voulais pas qu'il te voie toute nue. Et tu lui as même pas dit que tu as un bébé, n'est-ce pas? C'est vrai. Qui d'autre parmi vous a expérimenté ce genre de situation? Moi. J'ai repris les cours depuis quelques jours. Dans une nouvelle école. Personne n'est au courant. Vous faites vraiment des histoires pour rien. Avoir un bébé n'a rien de déshonorant. Vous devriez avoir honte de le cacher. Et voilà. Merci beaucoup. Swan, je ne savais pas que tu travaillais ici. Tiens, salut, Greg. Je suis ici depuis une semaine seulement. Et tu termines à quelle heure? 11h moins le quart. Oh, je peux t'accompagner, moi, si tu veux. Non, merci, Greg. Dis, je me trompe ou tu n'apprécies pas tellement ma présence? T'as rien à voir dans tout ça. J'habite à McLellan Home, un centre pour jeunes filles dans le même cas que moi. Je dois être rentrée à 11h30 pour récupérer mon bébé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est extraordinaire. Une fille est arrivée en cours avec une robe en satin et des souliers assortis. C'était son anniversaire, elle voulait être belle. Tu verras.
t'en offrirai une pour tes 2 ans et on sortira toutes les 2. Tu veux bien? D'accord, je la surveille. That's the sweetest doll Sue Ann has ever seen. She's playing hard and hanging on, but the playing's getting mean. Oh, where's her love now? Loneliness is setting in. She bites back the tears for what is or might have been. Asks more, hello or goodbye. Hey, redresse-toi, elle arrive. Swan. Cette fois, c'est ta dernière chance. Nous sommes tous libres dimanche, n'est-ce pas? Alors que dirais-tu d'aller à la montagne pour te détendre un peu? Et ne me dis surtout pas que tu n'en as pas besoin. Je ne peux pas, Greg. Samedi, je travaille toute la journée. Dimanche est le seul jour où je peux voir mon bébé. Elle n'a personne d'autre que moi. Oh, t'es pas obligé de la garder, tu peux aussi la donner. Mais je veux la garder. Quel âge tu as? J'ai 15 ans. Bon, et ben alors, ne réagis pas comme si t'en avais 50. Voilà les deux déesses qui font chavirer mon cœur. Bonjour. Elisabeth, tu es plus rayonnante que jamais. Je ne peux pas en dire autant de toi. Merci pour le compliment. Alors, princesse, tu as un problème? Je suis fatiguée. C'est plus dur que je l'avais imaginé. Oh, je sais. Quand on est gamin, on se dit qu'on peut tout faire. Qu'il y a toujours quelqu'un pour vous aider. C'est pas toujours vrai. Aujourd'hui, je me retrouve toute seule. C'est pas ce que je croyais. Tu veux que je te dise ce que j'en pense, Suan? En toute franchise. Oui. Cesse de jouer à la maman, tu es trop jeune. Tu as encore des années d'études et de travail devant toi. Avec toutes sortes d'expériences. Bonnes ou mauvaises, tu devras les affronter. Envers et contre tous. Comment peux-tu prétendre élever un enfant alors que tu ne sais rien de la vie? Je dois m'en aller, Andy. Tu m'en veux ?
Non, je dois m'en aller, c'est tout. Tâche d'y réfléchir, princesse. Suan. Oui, madame. Il y a deux personnes qui vous attendent au salon. Maman, Ralph. Chérie. Oh. Je ne pouvais pas rester plus longtemps loin de mon bébé. Bonjour, Suan. Tout se passe bien, on dirait. C'est tout ce que tu trouves à dire? Regarde-la. Elle a les yeux cernés, elle n'a plus que la peau sur les os. Il te donne suffisamment à manger? Mais oui, quelle question, je dors pas assez, c'est tout. Suan, tu n'as plus besoin de travailler autant maintenant. Nous allons pouvoir t'aider, ma chérie. Si je prenais votre argent, je devrais le dire à mon assistante sociale et alors elle déduirait la somme du chèque suivant. Ça reviendrait au même. Pourquoi as-tu quitté la maison, Suan? C'est trop difficile toute seule. C'est difficile, mais c'est ce que j'ai choisi. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Oui. Mais j'aimerais te faire changer d'avis. Nous voudrions que tu reviennes à la maison. Si elle se plaît ici, pourquoi insister, Donna Jo? Après tout, elles sont en bonne santé, elles ont l'air d'être heureuses. C'est beaucoup mieux pour nous deux, je t'assure. En tout cas, on ne peut pas lui reprocher de manquer de courage. Non, elle en a toujours eu. Pourtant, nous avons passé des moments difficiles. Ah, la question n'est pas là, n'est-ce pas? Tu es pauvre et tu es une femme, Swan. C'est pas l'idéal. Donna Jo, les enfants sont tout seuls dans la voiture, tu devrais y aller. Ah, oui, j'y vais. Tu pourrais peut-être venir dîner dimanche prochain, avec la petite. Nous verrons, maman. Au revoir. Au revoir. Son père est revenu. Quand? Depuis deux ou trois jours. Il ne va certainement pas tarder à me téléphoner. Je pourrais l'appeler chez lui? Non, ne fais pas ça. Il vaut mieux se méfier de ces gens-là. Ils ratent pas une occasion de vous enfoncer dans la boue. Je sais que tu m'as jamais considéré comme ton père. Il n'y a aucune raison pour que ça change. On n'a pas de place pour un autre bébé, ni à la maison, ni dans notre vie. Je sais que tu es courageuse et intelligente. Tu as trop de qualités pour gâcher ta vie comme ça. Tu as plus de fierté et de sagesse que certains adultes. Et je t'en félicite. Tu mérites de réussir. Merci, Ralph. Oh, j'ai pas encore fini. Le révérend Sylvester se trompe. Ta mère aussi. Écoute, ça doit rester entre nous, bien sûr. Tu devrais confier le bébé pour qu'il soit adopté. Si tu prends cette décision, tu peux revenir chez moi quand tu veux, je voulais que tu le saches. Voilà, c'est tout. Mademoiselle Finer. Monsieur Devita? Non, Derrida. Nous sommes venus vous voir il y a quelques mois. Oh, oui. Oh, je suis désolée, vous avez laissé un message hier, je n'ai pas eu le temps de vous rappeler. Oh, ça ne fait rien, je savais où vous trouver aujourd'hui. Est-ce que je peux vous offrir un café? Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Nous avons changé d'avis. Oui. Nous acceptons aussi un enfant plus âgé et d'une autre race. Éventuellement un enfant handicapé. Que vous adoptiez un enfant plus âgé, j'en suis ravie, mais de là à accepter n'importe quelle solution, je refuse. Comment vous expliquer? Voilà, je suis italien, ma femme est juive. Avant notre mariage, il n'y avait pas moins de 10 assiettes sur la table familiale, vous comprenez? Oui, je vois. Nous aimons les enfants, nous avons toujours vécu avec eux, parfois nous les avons élevés. Nous avons besoin d'eux, ils nous manquent. Oui, bien sûr.
Monsieur Derrida, être assistante sociale n'est pas une tâche facile. Ce matin, une de nos adolescentes a mis au monde un bébé aveugle. La syphilis, elle est venue trop tard. Si j'avais un pouvoir quelconque sur cette planète, monsieur, j'obligerais toute jeune fille en âge d'avoir des relations sexuelles à ne pas s'engager avec un homme ignorant la contraception et les précautions élémentaires à prendre avant de mettre une femme dans son lit. Ceci ne vous intéresse peut-être pas. Vous voulez un enfant à tout prix. Qu'il soit aveugle, retardé, paralytique ou avec la syphilis, peu vous importe. Excusez-moi. Je suis fatiguée, je devrais être couchée. J'y vais. Je ne vous abandonne pas, monsieur Derrida. Je vous aiderai. C'est promis. Elisabeth, dis au revoir. Un petit effort, Elisabeth, dis au revoir. Allons, tu veux bien me dire au revoir? Au revoir, maman. Dis maman. Dis maman. Allez, dis maman. Dis maman, Elisabeth. Dis maman. Elisabeth, dis maman. Tu devrais déjà le dire depuis plusieurs mois. Je vais finir par croire que t'es muette. Et puis arrête de pleurer comme ça, je dois aller travailler. Arrête de pleurer, tu devrais déjà dormir. Tu deviens une petite fille capricieuse. La seule chose que tu sais faire, c'est pleurer. Ne compte pas sur moi pour te prendre, j'en ai plus envie, t'entends? J'ai pas l'intention de passer ma vie à te bercer parce que tu refuses de dormir, j'ai autre chose à faire. S'il te plaît, tais-toi. Je t'en prie, Elisabeth. Je t'attendais, j'étais sûre que tu reviendrais. Comment vas-tu? Bien. Notre bébé s'appelle Elisabeth. Je suis impatiente que tu la vois. Je suis vraiment désolée, Swan. Sincèrement. J'ai repris les cours à la fac, mais je travaille à mi-temps. Je vais t'envoyer la moitié de mon salaire chaque mois, si tu es d'accord. Si tu veux, mais... Je fais mon devoir, Swan. C'est tout. Mais personne ne te fait de reproche. Chuck, tu l'aimerais si tu la voyais. Et tu serais fière. Elle a des cheveux blonds, elle est intelligente, on ne peut que l'aimer. Tu veux la voir? Non. Je t'en enverrai un chaque mois. Par le courrier. Au revoir. J'ai eu beaucoup de mal à la calmer ce soir. Elle n'a pas cessé de pleurer. Sans doute sa première dent. Quelque chose ne va pas, Swan? Non, tout va bien. Je n'aurai plus besoin de travailler le soir maintenant. Son père lui verse une pension. Oh, c'est une bonne nouvelle.
Je commençais à me faire du souci pour vous. Bonne nuit. Bonsoir, Madame McLellan. J'arrive tout de suite. Le docteur a ausculté Elisabeth, elle n'a rien. Swan est dans sa chambre. Le bébé est dans la nurserie, de l'autre côté. Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça de la part de Swan. Et pourquoi? Elle a 15 ans, madame. Ce n'est qu'une enfant. Bonsoir. Emmène Elisabeth avec toi. Si quelqu'un veut l'adopter, je signe les papiers tout de suite. Chuck devra les signer, lui aussi. Il les signera volontiers. Je les lui amènerai demain. Je veux que tu emmènes Elisabeth ce soir, avant que je lui fasse encore du mal. Swan, il ne se passera rien ce soir. Tu vas aller te coucher, et moi je dormirai dans ta chambre. Demain, on verra, on organisera tout ça. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu faire ça? Je vous ai brutalisé, mon bébé. Elle est la seule personne que j'aime. J'ai fait ce que j'ai pu pour être une bonne maman. Comment j'ai pu faire ça? Tu as perdu ton sang-froid, tu es trop fatiguée. Ne réponds pas. Il n'y a pas de raison. Ce n'est pas l'heure. Il n'a qu'à rappeler plus tard. Allô? Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? C'est sérieux? Mademoiselle Funer nous a trouvé un bébé. Oh, c'est pas vrai. Une petite fille en parfaite santé. Oh. À peine 9 mois. Oui. Bien, d'accord, nous y serons. Entrez. Tout est prêt? J'ai presque fini. Parle-moi d'eux. Eh bien, lui est avocat, il a une trentaine d'années. Elle est enseignante dans une école. Ils viennent tous les deux d'une famille très nombreuse. Ils ont une jolie maison et beaucoup de tendresse à donner. Sa chambre est installée depuis 1 an. De quelle couleur est-elle? Jaune. C'est ma couleur préférée. Vite, dépêche-toi. Ah, attends-moi. Mes clés. Où j'ai mis mes clés? Ah non, pas ça. Oh, j'arrive pas à y croire. Ah, je sais plus où j'en suis. On va être en retard. Oh, attends-moi, j'arrive pas à courir. Madame? Oh, mon sac. J'ai oublié mon sac. Je ne te l'ai jamais dit. Mais j'ai toujours voulu une fille en premier. Oh, je t'aime. Moi aussi. Sa dot. Il y a $20 à l'intérieur. Je veux qu'elle les garde. Elle n'arrivera pas chez eux sans rien. Je mets ses affaires dans la voiture, je la prendrai quand j'aurai tout installé. Ray? Je sais, dans mon cœur, que j'ai pris la seule décision valable pour assurer son bonheur aujourd'hui. Mais quand je serai plus âgée,
tu ne regrettes jamais d'avoir donné ton bébé? Tous les ans, le 16 janvier, je célèbre l'anniversaire de mon fils, quoi qu'il arrive. Ça me fait très mal à chaque fois. Et j'aurai peut-être mal toute ma vie. Mais je peux te jurer, Swan, qu'à ce moment-là, j'aurais été incapable d'élever un enfant. Et je ne serais jamais arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Si je ne l'avais pas décidé. Je n'oublierai jamais mon fils. Mais je ne regrette rien. Au fait, je me marie le mois prochain. Je compte sur toi, Swan. Ouais. Je reviens dans quelques minutes. Il est temps de nous dire au revoir, Elisabeth. Je veux que tu saches à quel point je t'aime. Je ne sais pas quel sera ton nouveau nom, ma chérie, mais je veux que tu sois la plus belle et que ta vie soit pleine de tendresse. Hier soir, quand tu étais dans la nurserie, j'ai prié longtemps, mais je sais que Dieu m'a écoutée. Elisabeth, je sais qu'on ne se reverra plus sur cette terre, mais il me l'a promis. Nous nous retrouverons. Tu me reconnaîtras et tu m'appelleras maman. Elle est tellement mignonne. Oh, René, tu vas dire que je suis fou, mais elle ressemble à s'y méprendre au croquis que je t'ai acheté. C'est vrai, tu as raison. Je peux la prendre dans mes bras. Ah, oui, c'est votre fille. Oh. Elle vit avec maman. Oh, ma chérie. Oh, je t'ai attendu si longtemps. Oh. Elle a dit maman. C'est la première fois qu'elle me voit et elle me dit maman. Aujourd'hui, ce sont les bébés qui choisissent leurs parents. Aux États-Unis, 1 million de familles ont à leur tête une mère célibataire. La moitié n'a pas 19 ans. Au cours de l'année à venir, une jeune fille sur 10, âgée de 16 ans ou plus, sera enceinte. Et parmi celles qui auront leur bébé, 80% le garderont. Au moins pour quelque temps. 73.